As-tu jamais vu quelqu'un qui parle très vite, au point que tu lui demandes, écoutez, pouvez-vous répéter ou pouvez-vous parler plus doucement? C'est difficile à comprendre que ces personnes ont comme message pour te dire. Ça peut arriver aussi que tu ne peux pas lire une note, une lettre, quelqu'un s'offre volontaire, il commence à lire très vite et tu comprends rien de ce message qui s'adresse à toi. Je me souviens quand Susanne et moi, avant que nous étions fiancés, nous écrivions de lettres l'un à l'autre, je lisais chaque lettre de Susanna plusieurs fois, lentement, pour vraiment comprendre chaque mot, qu'est-ce qu'elle voulait dire entre lignes. Ça, bah évidemment, aujourd'hui, on est mariés, donc beaucoup de choses. Mais vous savez, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart du monde ne connaît pas du tout ce que Dieu veut dire. Il nous envoie une lettre d'amour. Il faut la lire, relire doucement et essayer de comprendre mot par mot et qu'est-ce qu'il veut nous dire entre lignes. Ça vaut le coup.